Bonjour, bienvenue à cet épisode numéro 12 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu de Game Boy Advance qui s'appelle Wario Land 4. Donc voilà, donc là vous avez vu un peu l'introduction et on va continuer et vous allez voir la vidéo qui présente un peu le niveau. Donc on va faire push start. Alors, on va faire un mode normal, je vous laisse regarder juste l'introduction de l'histoire, enfin la suite. Donc voilà, nous atterrissons dans le temple. Vous me direz qu'est-ce qui lui a pris de suivre ce chat, mais il n'y aurait pas d'histoire s'il n'avait pas suivi. Donc on va commencer, là c'est le premier niveau. Un try passage. Donc c'est en anglais, hein, évidemment. En français, je sais pas si j'aurais pu l'avoir, mais non. Donc on va le faire en anglais, ça gêne absolument pas. Donc voilà, on va commencer chaque niveau. Voilà, on est aspiré par une sorte de petit vortex là, le niveau commence. Et puis c'est parti, alors là ils vont nous expliquer comment jouer, donc voilà, ils nous disent qu'on peut descendre dans les tuyaux. Ça ressemble étrangement à Mario, mais vous allez voir c'est différent hein, au niveau des coups, au niveau des actions. Hop, on récupère des petits diamants, on se croirait dans Zelda. Hop, et là je récupère un fragment, vous verrez qu'il faut que je récupère les 4 fragments, c'est mieux. Voilà, on peut détruire les cailloux, là il faut... Il faut s'élancer et sauter avec. Donc là, les petites bestioles font pas mal, celles-là. Les plus justes font juste un peu chier. Donc voilà un deuxième fragment. Allez, tac, tac, tac. On va essayer de récupérer tous les points qui sont à notre disposition. Là, les petites pièces qui nous donnent un petit peu des points. Donc voilà un caillou un peu plus dur. Il faut y aller avec R. Hop. Ensuite, là, il faut y aller avec R et il faut sauter. Sauf que je viens de me tromper. Putain, j'appuie pas sur R, donc ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Donc, tac, tac, tac. Ouf, ouf. On récupère des points. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Là-haut, il y a des petites pièces. Hop, et dans celui-là, hop, un diamant. Un diamant qui rapporte 1000. Voilà, un joli diamant, là. Apporte plus de points. Hop, on lance la pierre. Ouais, c'est très simple. Ils vous donnent les touches. Ah, tiens, là, il y a quelque chose à droite. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ah, celui-là, il pique. Il faut y arriver par derrière. Et putain, ça fait chier alors. Ouais, regardez. Ça fait chier parce qu'à chaque fois, on reprend automatiquement le caillou à chaque fois qu'on passe devant. Voilà, donc on avait un cœur qui nous redonne toute notre vie dans ce coffre. Ça nous remplit tous nos cœurs. Ça peut être pratique, il y en a pas beaucoup, il y en a un par niveau. Il faut le trouver, alors là si vous avez pas fait attention, il faut vous passer sans y aller. Hop, on jette encore un caillou. Voilà, ouais, il est assez simple, c'est le premier niveau. Ouais, je vais me refaire toucher par saloperie. Hop, on récupère la petite pièce, on récupère tout ce qu'on peut. Hop, alors là, voilà, il fallait que j'appuie sur la touche du bas pour faire une roulade. Voilà, touche du bas, hop là. Allez. Donc là, on pense bien à récupérer. C'est l'erreur que je faisais souvent, c'est de pas récupérer le diamant dès le début. C'est mal. Dès le début, et donc quand le coffre disparaît, bah, vous pouvez plus choper le diamant, c'est impossible. Même en sautant sur les monstres. Donc il faut le récupérer dès le début avant d'ouvrir le coffre. Voilà, là on va monter, ça semble évident qu'il faille monter, hop, et on tape des fesses. Et hop, on descend, on lance le caillou pour détruire. Bon, même si ça sert pas à grand chose, mais ça va servir pour ici. Et donc là on se retrouve au début en fait, donc il faut que je saute sur la tête, hop, et qu'il me dit que j'ai une minute, à partir du moment où j'appuie sur la tête, j'ai une minute pour retourner dans le niveau, parce que le vortex est ouvert, pour retourner, dans le niveau, dans le vortex on va dire. Alors ça dépend des niveaux, des fois c'est 1 minute 30, 2 minutes. Ça dépend un peu. Donc voilà, je reviens, je sors. Donc j'ai bien le petit personnage, j'ai chopé avec sa clé qui va me permettre d'ouvrir la porte
la porte de la salle dans laquelle j'étais. Je suis obligé de revenir avec, sinon, sinon je peux pas passer. Je peux pas continuer. Voilà, vous allez voir, vous voyez la porte à droite. Hop, il va aller se mettre dedans. Il ouvre la porte. Et donc les petits diamants, le petit morceau qu'on a rassemblé là, il nous permet d'ouvrir la porte du boss à la fin du niveau. Voilà, on arrive. Bon là ça c'est un truc bonus, on s'en fout. Et donc là c'est le niveau du boss. Donc enfin la porte s'ouvre et vous verrez que, enfin vous verrez, on le verra pas, mais dans les niveaux d'après vous avez plusieurs niveaux avant d'arriver au boss. Et donc il faut récupérer tous les diamants. Il y en a 4 des fois par porte. Voilà. Il faut récupérer tous les morceaux, sinon ça marchera pas. Donc voilà, on va faire le boss. Il est assez simple, c'est le premier. Il est pas très beau d'ailleurs non plus. Vous allez voir, hop, il a 2 petits soldats qui m'ont piqué les fesses. Allez, hop, vous voyez, je lui mets des coups, ça va vite. Juste qu'il faut que je vire ses 2 copains. Voilà. Voilà. Allez, vous voyez, la vie descend très très vite. Alors, on lui remet les coups. On lui remet un là. Il reste 3 coups à mettre. Il s'est transformé en grosse bébête pas jolie là. Si on le touche de devant et on prend un coup. Et il faut sauter derrière lui et lui mettre un coup. Enfin, on le voit très vite comment le tuer quoi. Donc, si on se met devant, on se prend un coup. Voilà. Il est terminé. Je lui ai détruit sa face. Donc après ouais, les autres sont plus difficiles hein. Là c'est vrai que c'était simple. C'est le premier niveau en même temps, c'est normal. On clear. Donc là vous voyez l'animation que j'ai fini le niveau. Hop, ça descend, il va y avoir une petite pyramide qui monte. Allez. Donc elle monte. Et ce qui me permet d'accéder au niveau à gauche et au niveau à droite. Donc là je vais pas les faire parce que ça serait trop long. Donc voilà. Donc ce sera tout pour Wario Land 4. Et puis n'hésitez pas à commenter, à aimer. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A toutes.